Coucou! Aujourd'hui, c'est le 7 décembre et je vais te raconter l'histoire qui s'intitule Le labyrinthe des sapins. Anissayel.com pour acquérir le français naturellement. Marie Marie et Médor Marie et Médor vont acheter un sapin pour Noël. Ils vont acheter le sapin de Noël. Alors, ils vont au grand magasin, au magasin de jardinage. Jardinage. Au magasin de jardinage, il y a beaucoup de plantes. Il y a des pots de fleurs, des pots avec des jolies fleurs ou avec des plantes pour acheter. Il y a aussi des outils pour jardiner. Par exemple, une grande pelle pour jardiner. Et par conséquent, Marie et Médor vont au magasin de jardinage pour acheter le sapin de Noël. Marie et Médor entrent à l'intérieur du magasin. Ils entrent dans le magasin et ils cherchent les sapins de Noël. Dans le magasin, il y a beaucoup, beaucoup de plantes. Il y a beaucoup de plantes, des arbres aussi à planter, des petits arbres. Il y a les outils pour jardiner et à l'intérieur du magasin, Médor et Marie cherchent. Ils cherchent les sapins de Noël. Mais à l'intérieur du magasin, dans le magasin, il n'y a pas de sapin de Noël. Marie et Médor ne trouvent pas les sapins de Noël. Marie pense: Oh! Où sont les sapins de Noël? Ils ne sont pas dans le magasin. Médor sort du magasin. Il va à l'extérieur du magasin. Il sort. Médor sort du magasin et à l'extérieur du magasin, il voit les sapins de Noël. Ah, Médor a trouvé les sapins de Noël. Les sapins de Noël sont à l'extérieur du magasin de jardinage. Médor aboie. Il appelle Marie. Il aboie. Wouf, wouf. Wouf. Wouf, wouf, il aboie. Marie sort aussi à l'extérieur du magasin de jardinage. Et Marie et Médor voient beaucoup, beaucoup, beaucoup de sapins. Ils voient un labyrinthe de sapins de Noël. Beaucoup de sapins. C'est un labyrinthe de sapins de Noël. Il y a beaucoup de sapins. Il y a des petits sapins, il y a des
grand sapin. Marie et Médor entrent dans le labyrinthe pour chercher un sapin de Noël. Marie et Médor, maintenant, sont dans le labyrinthe. Ils sont à l'intérieur du labyrinthe. Ils sont entourés de sapins. Marie et Médor cherchent un sapin de Noël. Ils cherchent le sapin de Noël parfait. Pas trop grand, pas trop gros, pas trop petit. Ils cherchent le sapin de Noël parfait pour leur maison. Ils cherchent, ils cherchent, ils passent beaucoup, beaucoup de temps. Ils passent beaucoup de temps dans le labyrinthe des sapins de Noël. Et finalement, Marie et Médor trouvent, ils trouvent le sapin de Noël parfait. Il n'est pas trop grand, pas trop petit, pas trop gros. C'est le sapin de Noël parfait pour Marie et Médor. Mais maintenant, Marie et Médor ont un problème. Ils ne peuvent pas, ils ne savent pas comment sortir du labyrinthe des sapins. Oh non, Marie et Médor sont perdus dans le labyrinthe des sapins. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Et est-ce que toi, tu as déjà acheté le sapin de Noël? Et est-ce que tu t'es perdu aussi, comme Marie et Médor, dans le labyrinthe des sapins de Noël? Mets-le dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne sur YouTube et aussi de t'inscrire à ma newsletter sur alissayel.com. À bientôt et à demain!